Bonjour, c'est quoi ça? Excusez, aspirant, viens essayer de me descendre la tige ici. Bonjour, descend. Il y a un endroit où on règle ici pour que ça descende un peu. Oui, encore, encore, stop. Voilà. Bonjour à tout le monde. Content de vous revoir ce matin. C'est toujours une joie pour moi de vous voir. Merci. Atiminiya Soko. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. S'il vous plaît, connectons-nous massivement et partageons cette vidéo. Partage la vidéo sur au maximum. Partageons la vidéo au maximum. Ô Seigneur, Galitawa Anna Barus, Filas Mansalika, Rabbanati Filismani Talfali Kumwa Ines Promidal Feloza, Saraminaudali Falista Udal Kemarosa, Nona Itai Fili Isprem, Wa Igrem Wa Inas Pramidali Falik, Intalasa Wa Anna Aspramita La Filata Wa An Agrestao, Kurmita Udolfa In Asro. Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum de personnes ce matin. Bonjour à Borel Camden, voilà. Bonjour à Carlotte Yenga. Bonjour à Florine Damafo, Wafo. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à qui encore? Prophète Joël, Madeleine Lassomé, Choupi Choupi. Bonjour. À tous ceux qui sont là pour la première fois, bonjour à tous ceux qui sont là depuis. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Bonjour à la prophétesse Israël. Bonjour à Mestigavuka. Mestigavuka. Mestigavuka, j'ai une question à vous poser. Mestigavuka. Je crois que c'est Mestigavuka. Tous les jours, vous changez de photo. J'ai un Mestigavuka, quelle face? Quelle est la face de Mestigavuka? Voilà. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, connectons-nous massivement et envoyons les cœurs. Envoyez les cœurs et les pouces bleus parce que ma page est en train de traverser la vallée de Baca. Ma page traverse la vallée de Baca. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens, mais ça va aller. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont leur appui en l'Éternel et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en une oasis. Donc, notre page est en train de traverser la vallée de Baca, c'est mauvais. La vallée de l'ombre de la mort. Donc, s'il vous plaît, pendant que vous êtes connecté, Aspirantino, Hokam pendant que vous êtes connecté, envoyons les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Envoyez les cœurs, les pouces bleus, Mantol. Envoyons les cœurs, je vous en prie, les cœurs, les essais d'âme, vous en. Vous suppliez pour envoyer les cœurs, mes amis, vous aussi. S'il faut vous supplier pour avoir les cœurs. Non, non, envoie les cœurs. S'il vous plaît, dites à l'équipe de la télévision que je suis devant Zoé Channel. Hein. Donc, s'ils ne savent pas ça, je suis devant Zoé Channel, je ne vois pas le direct à la télé. Et ça, c'est des incidents diplomatiques qui cherchent. Excusez-moi de mettre le menthol devant vous, moi je n'ai pas de problème. Pour mettre le menthol, je peux aller me cacher derrière la caméra pour vous donner quelle impression, que moi je suis un surhomme ou quoi. Donc je mets devant vous, il n'y a pas de problème. La vie c'est ça, on est des humains. Je ne vais pas feindre devant vous. Dites à l'équipe de la télé que j'ai vu, ils viennent de mettre le direct. Donc, j'ai un nom comme toi, je mets ça là, parce que je suis à Douala. On a une nuit de prière tout à l'heure. Non, non, demain. La nuit de prière, c'est demain, vendredi à partir de 21h. Et ça sera explosif dans la ville de Douala. Douala saura qu'un prophète est venu. Vous savez, nous portons Christ, mes amis. L'apôtre Paul a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Christ.
dans nous-mêmes. C'est-à-dire, on sait qu'on porte un trésor, mes amis. On porte, on est seulement humble. Et c'est pour ça que j'ai souvent eu à dire aux gens que moi, mon humilité là, mon humilité, attendez, j'arrange comme ça, mon humilité n'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Si je proclame, la chose va arriver dans ta vie. On va voir ça tout à l'heure. Je parle au nom de Jésus, ça va arriver. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en m'appelant, m'a dit, parce que c'est une parole que tu reconnaîtras, que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai adressée à ton sujet pour l'exécuter. C'est un peu ça. Ma belle-sœur à la maison, j'étais avec Mireille, elle s'est brûlée complètement le bras. Brûlée. Elle s'est brûlée le bras. Donc, quand je suis rentré là, elle m'a montré ça. C'était terrible. Je lui ai dit, donne-moi ton bras. Elle a donné le bras. J'ai mis ma main. J'ai ordonné que dans les trois prochains jours, les blessures là, ça l'a brûlé sérieusement. Les blessures sèchent. Troisième jour, elle est venue, elle m'a montré, papa, regarde. Je n'arrive pas à croire, elle me dit, j'ai la chair de poule. Je lui ai dit ça là, la chair de poule ne suffit pas. Tu dois avoir la chair du coq ou la chair de canard parce que c'est un miracle extraordinaire. Donc, les blessures ont séché. Elle m'a dit, selon ta parole, la chose est arrivée. Ouais. Donc, Dieu, Paul dit que nous portons ce trésor dans les vases de terre. On est dans les vases de terre. Mais on sait quand même que malgré qu'on soit des vases de terre, nous portons un trésor en nous. On est des trésors ambulants. On est des investissements divins. On est des projets divins qui apportent à l'accomplissement les projets de Dieu. C'est là que ce matin, je voudrais te parler sincèrement et sérieusement afin que le Seigneur te bénisse dans tes entreprises. Parce que la vie, nous l'avons une seule fois. Vous le savez. Ce matin, il n'y aura pas des prophéties, tout ça là, des compléments. C'est-à-dire, on ne pourra pas voir parce que je ne suis pas avec l'équipe de la télévision. Donc, c'est un direct. Ça, c'est un direct. Donc, si nous parlons, Dieu exécute ce que nous disons. Donc, si je te bénis, Dieu te bénit. Si je dis que celui qui partage à plus de 10 personnes, Dieu le bénit. J'ai dit ça une fois, je quitte dessus. Les anges vont veiller. Dieu veillera que les anges accomplissent tout ce que j'ai déclaré. Ça va arriver. C'est ça en réalité. Il faut que les gens comprennent que nous avons une responsabilité dans cette nation. Lorsqu'on parle des prophètes, et Dieu m'a fait grâce. Lorsqu'on parle de prophète Nebi, prophète Rohe ou bien prophète Osée, nous parlons, Dieu exécute la parole qui sort de notre bouche. Donc je voudrais vous exhorter à comprendre l'importance de la prophétie et des prophètes. C'est très important, c'est capital. La prophétie et les prophètes. C'est cela que le programme du 24, 25, 26 avec le prophète Joël Francis Tatou sera un jugement pour Satan dans vos vies et dans vos familles. Je vous dis la vérité, ce sera un jugement. Donc, quelle que soit la partie du Cameroun où vous êtes en train de suivre ce direct, ne manquez pas, ne restez pas à la maison. Ça, ce n'est pas un programme qu'il faut manquer. Il faut voyager. Il faut absolument voyager. Il faut être là en présentiel. Tant que ça dépend de vous, hein, il faut être là. Moi, si je vous donne un conseil, je vous dirais, rassurez-vous d'être là le 24, le 25, 26. Et samedi le 28, samedi le 18, samedi, samedi prochain, j'ai une rencontre à la BIR avec tous mes fils. Et j'ai dit une chose, je vais départager les responsabilités et je vais donner des badges à tous mes fils parce qu'il y aura, une place pour mes fils. Tous mes fils et mes filles, il y aura une place pour eux à côté de nous. Dans cette tribune-là, pour avoir part à cette tribune, il faudra avoir le badge. Si vous n'avez pas le badge, vous n'y aurez pas part. Vous savez que Jésus-Christ a raconté l'histoire de la parabole de cet homme-là qui a fait des noces et il a invité des gens. Et là, il y avait quelqu'un qui est entré. Il fallait avoir une tunique blanche. Et il y a un monsieur qui n'était pas dans tous les cas en vêtements d'apparat. Oh, l'esprit de Dieu. Garita ou dali falus manta ou dali fata. Et Jésus va lui demander que mon ami, toi tu as fait comment pour arriver ici? Tu n'as pas la tenue? Mais par quelle magie, par quelle alchimie est-ce que tu as fait pour arriver ici? Et donc, voilà. Je voudrais vous dire simplement qu'il y a des rencontres qui changent votre vie. C'est des rendez-vous divins. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide de changer votre époque, décide de changer les époques de votre vie. Vous devez savoir une chose. De même que vous voyez le monde autour de vous, il y a des saisons, il y a des époques. Nos vies aussi ont des époques et des saisons. Donc, on peut provoquer une saison. On peut provoquer une saison. On peut perdre une saison. On peut attirer une saison. On peut bloquer une saison.
Dans cette rencontre du 24, 25 et 26, au palais des sports de Warda, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. C'est une porte ouverte vers une nouvelle saison pour vous. Je vous dis la vérité. C'est une porte, une grâce. Donc si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez voyager, faites-le. Voyagez. N'hésitez même pas, s'il vous plaît, voyagez. Il faut voyager. N'attendez pas qu'on vous dise quoi que ce soit. Non, 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 non. Il faut voyager. Pour votre bien, pour votre famille, s'il vous plaît, il faut voyager. Il faut voyager. C'est important. Donc moi, je pense que nous avons une très grosse responsabilité. Le Cameroun sera béni au plus haut point. Et ce matin, nous allons prier. Je vais prier avec vous après avoir partagé quelque chose d'important. En ce qui concerne l'Église, il y a des gens, pendant que je parle, qui sont en train de recevoir des bénédictions, des délivrances. Vous avez vu des gens qui reçoivent des guérisons. On prie juste à la télévision, on fait des directs et la personne reçoit sa délivrance. On proclame ici, quelqu'un touche son écran, téléviseur, et puis il est béni, il est restauré. Voyez, toutes ces choses-là viennent de Dieu. C'est la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je pense que chacun de nous doit prendre au sérieux ces choses-là. Il y a une saison que Dieu est en train de donner à cette nation, au Cameroun. Et pour moi, le ministère, comme j'ai eu à dire cela plusieurs fois, le ministère, je ne fais pas le ministère pour la gloire ou pour l'argent. Ces choses-là vous suivent lorsque vous marchez sur le chemin sur lequel le Seigneur vous a appelé. Ces choses-là viennent seules, elles vous accompagnent. Alors, le ministère, pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui? Je le fais parce que je veux écrire l'histoire. Je veux apporter ma contribution à l'histoire de l'Église au Cameroun. Voulons écrire l'histoire. Il y a tellement des erreurs que l'Église a eu à commettre, ou bien que nos dirigeants ont eu à commettre, ou bien que nos parents ont eu à commettre. Nous avons la responsabilité de rectifier ces erreurs. Mais la réalité, c'est que dans l'Église au Cameroun, il faut avoir les pieds sur terre. Parce que les forteresses qui s'attaquent à l'Église dans cette nation sont très puissantes et très dangereuses. En sorte qu'il faut la sagesse de Dieu pour pouvoir aller au-delà. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en juillet, je pense que je serai en France, c'est septembre ou quoi. On va vous dire ça. Je serai en France là-bas. Donc, maintenant, il y a une question que je voudrais que nous abordions ensemble, qui est une question qui me tient à cœur. Elle est très importante pour l'Église. C'est la question de la glossolalie. Avant de prier avec vous, on va réfléchir là. Un instant d'abord, s'il vous plaît. Allô? Mon général? J'ai une surprise pour toi. Oui, tu vas dire bonjour à des gens qui t'aiment ici au Cameroun, qui t'attendent, qui ont des pieds sur terre, qui disent que le 24, le 25, le 26 doit arriver rapidement. Des gens qui sont trop pressés et qui me persécutent. Je vais te passer le micro, tu vas leur dire quelque chose, s'il te plaît. Ok. D'accord, là c'est bon. Je crois que tout le monde te voit. Oh. Nous sommes en direct. Oui, on est en direct. Le Cameroun te suit. Wow, bonjour tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, j'ai été pris de court. Je ne me suis pas préparé pour ça. Oui. Mais sinon, là, je vous dis bonjour dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. De partout où vous êtes, au Cameroun, Yaoundé, Douala, les pays frontaliers, je pense que le Gabon, le Nigeria et tous les autres pays aux alentours, toute l'Afrique, tous les abonnés de la page de mon frère d'Alliance, le prophète Ferdinand. En tout cas, je vous salue et je vous bénis. Amen. Et je vous rassure, nous serons là au Cameroun. J'arrive, j'ai hâte avec une grande délégation. Des gens vont m'accompagner de Kinshasa. D'autres viendront de l'Allemagne, du Burundi, du Rwanda, d'autres viendront du Gabon, d'autres de mes fils, même du Bénin. Voilà, on a une équipe qui viendra du Bénin aussi pour travailler dans les médias. Et en tout cas, on vient pour un programme historique dont on entendra parler encore pour bien longtemps. Je crois que ce programme sera parmi les programmes dont on parlera dans les livres du réveil pour les prochaines générations. Il y aura un avant et un après ce programme de 3 jours. On sera vendredi, samedi,
à 15h au stade polyvalent de Ouarda. On sera samedi matin. On sera à la base pour la conférence des hommes de Dieu, tous les apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, responsables de ministère, ou bien vous êtes appelés au ministère. S'il vous plaît, ne ratez pas cette bonne opportunité de venir apprendre des choses sur le ministère prophétique. Nous parlerons sur les voyants, virgule, les gardiens de nation. On parlera de la voyance, on parlera de la responsabilité nationale et transgénérationnelle qu'un prophète a. Vous savez, il est écrit, c'est pas un prophète qu'Israël est sorti d'Égypte, c'est pas un prophète qu'il a été chamar, qu'il a été gardé, qu'il a été protégé. Les prophètes sont des gardiens. Et nous allons passer une matinée extraordinaire. Et dimanche, à partir de 8h, nous serons tous au stade pour la clôture, la prière des familles nationales. En tout cas, en tout cas, prophète, merci pour l'invitation. Mon épouse qui m'écoute là, elle est déjà en train de répéter les cantiques qui se chantent au Cameroun. Elle se prépare déjà. Simian Musique, elle a été là l'année passée pour son concert. Elle sera là. Ça sera un concert en pleine convention. Donc ne ratez pas tous les filles et les filles du prophète Ferdinand. Je vous bénis pour la mobilisation déjà que vous faites. Tous mes fils et mes filles qui sont aussi au Cameroun, on me dit, vous vous mobilisez pour être auprès de votre père, aussi le prophète Ferdinand, pour que le travail se passe bien. En tout cas, le grand rendez-vous est déjà pris. Je serai au Cameroun avec ma femme et la délégation Ekozala Moto. Ah, et cause à la moto. Ok, mon général, je t'appelle alors après. Merci mon frère. Que Dieu garde les yeux. Bonne journée. Merci, bye. Ok, donc là c'était une petite surprise. Vous savez que, comme j'ai eu à dire, il y a des choses terribles qui sont en train de se préparer. Et il faut que les gens comprennent une chose. En tant qu'homme de Dieu, moi je voudrais parler de ça rapidement et on va avancer. Nous sommes serviteurs d'un seul et même Seigneur. Il faut que les gens comprennent cela. Et pour moi, la chose que je chéris le plus, c'est l'unité du corps de Christ. Les hommes de Dieu doivent être unis, les enfants de Dieu doivent être unis. Il y a des gens qui ont posé des questions concernant le prophète Joël, parce que je ne me suis jamais associé à un homme de Dieu pour faire quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait venir un homme de Dieu, jamais de la vie. Ça fait plus de 10 ans que je fais le ministère aujourd'hui, c'est la 10e année. Je n'ai jamais invité un homme de Dieu hors du Cameroun pour faire avec lui un programme. Et je n'ai jamais quitté le Cameroun pour aller rencontrer un homme de Dieu. Je n'ai jamais fait ça. Depuis que je suis enfant de Dieu, je ne l'ai jamais fait. Mais cette fois, c'est arrivé. Et je pense que c'est arrivé par la main de l'Éternel, le Père des esprits des prophètes. C'est arrivé. Et le Seigneur a permis que ça arrive. Et je pense que lors des premières discussions que j'ai eues avec le prophète Joël, je lui ai fait comprendre que pour moi, l'Église n'a pas de frontières. Et ça, c'est ma position. L'Église n'a pas de frontières. Et l'Église doit être unie. Les hommes de Dieu doivent être unis. La Bible dit que lorsqu'un membre souffre, tout le corps entier doit souffrir avec lui. C'est-à-dire, vous ne verrez jamais que votre bras est amputé et vous ne ressentez pas la douleur dans tout votre corps. Tout le corps est affecté. Et c'est cette logique, c'est cette philosophie-là que je développe. Parce que c'est elle que Dieu m'a imposée. Il n'y a pas de frontières dans l'Église. Il n'y a pas de tribu dans l'Église, ni de race. Non, nous sommes tous serviteurs d'un seul et même Seigneur. Et donc, sur cette vision, je suis prêt à tout pour que l'Église soit unie, pour que les générations qui viennent comprennent l'importance d'être unies. Alors, si un bien-aimé est en difficulté, je ne dirais pas que non, c'est parce qu'il n'est pas de mon pays que je ne veux pas le soutenir. Non, non, on ne fait pas ça en fait. Parce qu'il n'y a pas de frontière au ciel. Là-bas, il n'y aura pas de Camerounais, ni de Congolais, ni de Nigérians, je ne sais pas, ni de Bétis, ni de Boulo, je ne sais pas trop quoi. Nous serons tous ensemble là-bas. Donc, c'est bien qu'à partir de maintenant, étant sur Terre, nous apprenions la puissance de l'unité, la puissance de la tolérance, la puissance de la compréhension mutuelle. Parce que si tu vois ton frère en difficulté aujourd'hui, tu ne sais pas comment ton demain sera en fait. Tu ne sais pas comment ton demain sera. Et c'est où parfois nous commettons l'erreur. C'est-à-dire, nous jugeons notre futur sur notre présent. Or, ton futur peut être très différent de ton présent en bien ou en mal. Donc, il est important de multiplier des actes de justice, de soutenir les frères, d'aimer les frères avec sincérité, sans hypocrisie. Avec sincérité. Et quand je parle de sincérité, j'insiste là-dessus.
Il faut être vrai dans nos relations, dans notre amour pour les frères. Sois vrai. Sois vrai. Si j'ai dit je t'aime de tout mon cœur. Ça, c'est clair. Mon amour, il est pur, il est sans hypocrisie. Et je bénis Dieu qui m'a accordé ce genre de cœur, parce que c'est des cœurs qui sont rares aujourd'hui. La plupart des personnes, c'est des amours avec intérêt, des amours avec complexe, des amours avec jalousie, etc. Et ces choses sont en train d'affecter l'Église de façon négative. Or, on a besoin de personnes qui nous aiment sincèrement et pour rien. Pour rien, pas parce qu'elles tiennent profit quelconque derrière, pas parce qu'elles visent quelque chose derrière, non, mais justement parce qu'elles ont compris que dans l'Église, il n'y a plus de barrières. Il n'y a pas d'ethnicisme, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de tribalisme, etc. Toutes ces barrières-là sont renversées. Et ce qui est important, c'est Jésus-Christ qui soit prêché, que son évangile soit prêché par tous et que nous facilitions la tâche à nos bien-aimés pour exprimer le don et le talent que Dieu leur a donné. Prenons le cas du prophète Joël qui arrive bientôt dans notre nation. Mais qui est béni, mes amis? C'est le Cameroun en réalité. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui est béni. Je ne peux pas voir quelqu'un aussi talentueux dans les choses de Dieu et dans le domaine des rohers. Et puis, j'ai l'opportunité de faire bénéficier de ce don-là mon pays. Et puis, je ne profite pas de cette occasion pour lui permettre de bénir la nation. Non, mes amis, il faut qu'on comprenne une chose finalement. Nous sommes serviteurs de Christ. Si je suis un serviteur de Christ et que toi aussi tu es serviteur de Christ et que tu as un don, je ne combattrai jamais ton don. Je ne combattrai pas ton ministère. Mais d'où vient-il aujourd'hui que les hommes de Dieu se combattent entre eux? C'est une erreur, mes amis. Et je pense que si nous ne rectifions pas cette erreur aujourd'hui et maintenant, l'histoire nous en voudra. Les générations qui viennent après nous en voudront. Si mon frère est loin dans un domaine, il faut que je lui donne l'occasion de s'exprimer. Je dois être un tremplin pour lui et non pas un frein. Je dois être un tremplin. Parce que si vous combattez un homme de Dieu, à cause de son don, à cause de son talent, quelques manifestations des ivresses de l'esprit, ça veut dire que votre intérêt dans le ministère n'est pas bon. La motivation n'est pas bonne en fait. Vous ne travaillez plus pour Jésus. Parce que Jésus qui est là, ouin n'est pas fou. Ouais, et c'est là le problème de cette génération. C'est Dieu qui ouin. Il dit, les distribuant à chacun selon son désir. Donc l'esprit de Dieu distribue les dons et les talents à chaque personne selon son désir. C'est-à-dire que si Dieu donne des dons à une personne, ça veut dire qu'il approuve la personne et lui fait confiance. Et il faut comprendre cela. Et l'apôtre Pierre a dit cela dans la maison de Corneille. Il dit que non, normalement, je ne vous baptiserai pas, non, je ne vais pas manger chez le païen. Mais lorsqu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur Corneille et sa maison, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais attendez, si Dieu ne vous a pas refusé le Saint-Esprit, comment est-ce que moi je vous refuserai le baptême d'eau? Il a mangé dans leur maison et il les a baptisés. Donc, il y a des personnes que parfois nous jugeons des personnes que nous marginalisons et après nous voyons le don de Dieu. Tu es dans la confusion, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu telle chose sur telle personne et puis voilà, etc., etc. Moi, je pense que nous, surtout nous, les responsables de l'Église d'aujourd'hui, nous devons apprendre l'importance de la maturité. La maturité. La maturité, c'est important. La maturité, c'est important. Il faut que nous comprenions la maturité, la responsabilité. Vous savez, il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit, Otisou eis Petros, en taute te Petra, économie sur mon ten ecclesia, kai poulaï adou, ou katisko soussin aoutes. Et moi, je dis que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. Il faut comprendre une chose. C'est une manifestation de la jalousie de Dieu. Kaipolei ado katiskususin, autes, doso soidas kleidates basiliaton uranoi, oyan luces epites ges tai, delemenon entois uranois, oyan deses epites ges estai, delemenon entois uranois. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Bon, mais il est jaloux de son église, mes amis. Donc, même si je suis un homme de Dieu, et que je commence à mettre le désordre dans l'église de Dieu, la colonne, l'appui, la vérité, Dieu me jugera, Dieu deviendra un ennemi pour moi. Et si Dieu a oint quelqu'un, et que je suis peut-être jaloux de la personne, ou bien que j'ai des velléités sécessionnistes contre la personne, une façon de parler, et suivez mon regard, alors à ce moment-là, je deviens ennemi de Dieu.
parce que je suis en train de m'ériger contre l'œuvre du Saint-Esprit. Et je pense à Gamaliel qui a dit, ne craignez-vous pas qu'en combattant ces gens, ce soit Dieu que vous soyez en train de combattre. Donc, je pense que c'est une très belle question que chacun de nous devrait se poser. Revenons sur la glossolalie. La glossolalie, c'est quoi? C'est la science qui étudie le parler en langue. C'est ça la glossolalie. Glossolalie. Glossa veut dire langue. La léo en grec veut dire parler. Donc c'est le parler en langue, glossolalie. Glossa la léo veut dire le parler en langue. Donc la glossolalie est quelque chose d'important. Oui. La glossolalie est fondamentale. Et elle va avec le baptême dans le Saint-Esprit. Elle va avec le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un verset que je veux partager avec vous. Dans 1 Corinthiens 14, verset 10. On va lire ça ensemble. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. S'il vous plaît, lisons ensemble. 1 Corinthiens 14, le verset 10. Prends ta Bible avec moi et nous allons lire ensemble. Et je sais que pendant que tu lis, le Seigneur te bénira. Je pense qu'il y a une personne à qui le Saint-Esprit veut s'adresser ce matin. Alors, écoutez, il dit ceci. Il dit, « Tosauta ei tu koi. Tosauta ei tu koi. Gene phonon eisin en kosmo. Kai uden aphonon. » To sauta ei tu koi. Aussi nombreuse qu'il y ait, gene phonon. Aussi nombreuse qu'il y ait des langues, et ici en cosmo, aussi nombreuse qu'il existe des langues dans le monde, kai uden aphonon. Il n'existe aucune qui soit inintelligible. Voilà. Aphonon, aphonon en grec donne aphonique. En français, ça veut dire, bon, aphonique, aphonique, ça veut dire, c'est sur le plan de la sonorité, la musicalité en réalité, mais on va aller sur le plan du sens. Voilà. Aphonon veut dire qui n'a pas de signification, mais qui n'a pas de sens. Donc, l'apôtre Paul dit que, aussi nombreuses qu'existent les langues dans le monde cosmos, dans le monde, c'est-à-dire le monde habitable, habité par les hommes, il n'existe aucune qui n'ait pas de sens. Comme pour dire quoi? Les langues parlées par le Saint-Esprit issues du baptême dans le Saint-Esprit doivent respecter les sciences de la linguistique. Elles doivent respecter les sciences linguistiques sur le plan des morphèmes, sur le plan des phonèmes, sur le plan de la sémantique, sur le plan de la forme, sur le plan de la musicalité, la sonorité. Donc, elles doivent respecter, ça veut dire sur le plan syllabaire, elles doivent respecter. Sur le plan de la polysémie, elles doivent respecter. Sur le plan de la sémantique, elles doivent respecter. La polysémie, elles doivent respecter. Dans tous les cas, toutes les sciences linguistiques doivent être rassemblées lorsque vous parlez en langue. Si une personne parle en langue et que sa langue ne respecte pas les sciences de la linguistique, c'est ce qu'un Corinthiens 14, verset 10 le dit, veut dire, ça veut dire que cette langue-là doit être mise en cause. Elle doit être remise en cause. Donc le parler en langue doit être une langue claire et propre. Quand vous parlez en langue, même si la personne n'écoute pas, ça ne comprend pas ce que vous dites, elle est convaincue que c'est une langue vivante. Je vous donne un exemple. Mido waji na molde isalmasio, mido waja jonta don gam on fama mi on hedita mi botum. Ta do wolwa be wiwa ado wolwa wolde ro Allah. Rohu cheni ro wolde man do se laba. To laba ido ban wigo wolde awolwa ta do dum nana rohu cheni don hokkima dum. Ngam to rohu cheni do hokkima wolde awol wata wolde man do kam be faman ko to be nanata ko biya ko to be famata ko wiata be taminanugo e mo nanata fu mo hedi tafu do andita de bernde mako ko do wolo do dum gonga on o dum wolde gonga on a do wolo do voyez. Maintenant, vous savez, quand j'ai parlé en fufulde, mais vous ne comprenez pas le fufulde, pour ceux qui ne comprennent pas le fufulde, mais vous êtes convaincu que c'est une langue vivante. Pourquoi? À cause de la pluralité des sonorités. Vous savez, maintenant je vais parler une autre langue par exemple. Au yé, quand c'est au tawa, je suis bon, au kenke, sem, ou bien au kenke, kendem, quand c'est au benkendem, au tincheyo, quand c'est au mnoanche, au tchanche, au tchemba, au chombe,
nano au kenke ki chez nous au tchèque kon yo au lo au tchèque kon au posi kon yo loin au kaji au ken lom au kayon ke wono quand c'est obi au long bambo au long rio ou bien au long mio biki bi kwan biton biji ama quand c'est biji biki elive bikaji biyo ti ameno. Voilà, maintenant vous comprenez, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, mais vous êtes convaincu que c'est une langue à cause de la multiplicité des mots. C'est-à-dire les sciences linguistiques ont été respectées. C'est la même chose avec le parler en langue, en fait. Le parler en langue, dans 1 Corinthiens, la Bible dit qu'il y a deux catégories de parler en langue, la langue des hommes ou bien la langue des anges. Voilà, donc les langues d'en haut ou bien les langues d'en bas. Ça veut dire que normalement, lorsque vous arrivez dans un coin, vous trouvez une personne qui ne parle pas français, dans un coin où on ne parle pas français. Quelqu'un peut parler en langue, mais c'est le français sa langue en fait. Parce qu'il ne connaît même pas ce que c'est que le français. Il ne le sait pas. Vous partez prendre une vieille maman là-bas, je ne sais pas, à Yoko, au fin fond, qui n'est jamais allée à l'école, qui ne connaît pas ce que c'est que le français. Elle peut parler en langue en anglais, par exemple, ou parler en langue en français. Maintenant, moi qui connais l'anglais, si elle parle en anglais, elle ne sait pas dans quelle langue elle parle parce qu'en fait, on ne parle pas une langue qu'on a apprise. Le parler en langue, ce n'est pas des langues qu'on a apprises au préalable. Elle va parler en anglais sans savoir quelle langue. Moi, je saurais que c'est l'anglais parce que j'ai appris l'anglais à l'école. C'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les apôtres, les 120, étaient en train de parler des langues que les prosélytes qui étaient venus pour la Pentecôte, c'était leur langue maternelle. Et donc, eux, ils comprenaient ce que les apôtres disaient parce que c'était leur langue maternelle. Eux avaient appris, mais les apôtres parlaient sous l'inspiration de la grâce, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Donc, il y a deux manières de comprendre le parler en langue. Soit par le don d'interprétation des langues, qui est un don parmi les 9 dons de l'Esprit, soit alors par le fait que ce soit ma langue maternelle. Donc, si c'est ma langue maternelle, par exemple, vous partez à l'extrême nord, vous trouvez un papa là-bas ou un frère qui ne connaît pas ce que c'est que les langues bamiléké. Il parle en langue et c'est en bamiléké. Lui ne connaîtra pas que c'est le bamiléké en fait. Il sera en train de parler en langue, mais c'est le bamiléké qui parle. Le bamiléké qui sera en train de l'écouter va comprendre tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est la langue maternelle qui est en train de parler. Mais si moi qui ne suis pas bamiléké, comment est-ce que je vais faire pour comprendre ce que quelqu'un dit en langue en bamiléké? Je dois avoir le don d'interprétation des langues qui me permet de comprendre ce que chacun dit, quelle que soit la langue qu'il utilise. Donc c'est un peu ça que les gens doivent comprendre. Je me souviens une fois. C'était à Tcholiré. C'était à Tcholiré. Alors, il y avait le président des témoins de Jéhovah là-bas qu'on avait invité à la vraie église. Il est arrivé, c'était un Hollandais. Et il y a un bien-aimé qui s'est mis à parler en langue. Et en fait, il venait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et il s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à parler en langue. Et pendant qu'il parlait en langue, il parlait le hollandais. Et quand la prière finit, ce blanc hollandais s'est approché de ce frère qui n'était même pas allé à l'école en fait. Et puis il lui parle en hollandais. Il lui dit bonjour en hollandais, comment tu vas et tout. Et le frère lui répond en français que mi kam fama ko do yaro. Moi je comprends pas ce que tu dis là. Et il demande au pasteur, hein, c'était le pasteur Kunke Emmanuel à l'époque qui était là-bas. Il lui pose la question de savoir, mais le jeune homme était à l'université en Hollande, non. Et il travaille pour un Hollandais, non. Et le pasteur demande pourquoi, il dit, mais je l'ai entendu parler l'Hollandais, et l'Hollandais qui parlait, c'est de l'Hollandais pur. Moi-même, je ne peux pas, je maîtrise pas cet Hollandais-là. Et je l'entendais dire des merveilles à Dieu, adorer Dieu en ma langue. Et puis on lui a dit que non, il n'a jamais appris l'Hollandais, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, on appelle ça le parler en langue. Le blanc s'est fâché, il s'est mis à nous insulter, il est parti. Il ne croyait pas en ça. Il dit, vous apprenez les choses, venez mentir, tromper les gens. Lui, il a fréquenté. Car c'est, il ne veut pas m'expliquer qu'il parle une langue qu'il n'a pas apprise. Vous voyez. C'est ça le vrai parler en langue, en fait. Ce n'est pas les bababababa, les bobo, que les gens font tous les jours. Toi-même, bababababa, tous les jours, du 1er au 31, ça a quel sens? Toi-même, ta langue maternelle, le soleil s'appelle bababa, la lune, bababa, bonjour, c'est bababa, bonsoir, c'est bababa, l'habit, c'est bababa, manger, c'est bababa. Non, attends. Chaque idée est traduite par un mot et chaque mot a sa sonorité. C'est vrai que il y a des mots qui sont des homonymes. Voilà, des homonymes, il y a des homonymes. Bon, mais quand même, en réalité, les langues, elles sont intelligibles. Et je me souviens, par exemple, que ma mère m'a raconté cette histoire. À l'époque, on était encore à la vraie église de Dieu. Elle était à Mombo. Elle était à Mombo. Et il y avait une grand-mère là-bas. Une maman très très âgée, sérieusement âgée. Et cette maman s'est mise à parler en langue.
Et devinez quelle langue elle parlait. Papa, nous n'avons pas le son. Papa, nous n'avons pas le son. Est-ce qu'il n'y a pas le son? Qui n'a pas le son? C'est où? On n'a pas le son où? Attendez, vérifiez à la télé. Non, mais il y a le son ici. Donc, vous imaginez que cette grand-mère se met à parler en langue. Elle parle en langue. Elle parle quelle langue? Le Haoussa. Elle parle en Haoussa. Et ma mère entend tout ce qu'elle dit. Et ma mère me dit que cette maman disait en Haoussa, tu nous as envoyé les deux tables de pierre avec ta parole. Mais nous avons bafoué ta parole sous nos pieds. Mais nous avons bafoué ta parole sous nos pieds. Donc, elle se plaignait, l'Esprit de Dieu se plaignait que les commandements, l'Église était en train de bafouer sous ses pieds les commandements de Dieu. Et après, elle s'est approchée de cette maman pour lui dire bonjour, Inakwana. La maman lui a demandé que c'est quelle langue que tu parles là. Elle-même ne savait pas qu'elle parlait le Haoussa, parce qu'elle ne connaissait pas le Haoussa. Tu ne peux pas venir parler en langue et puis tu parles ton patois. Hein? Tu veux dire, oh, Allah miette, ma vraiment, Allah wala ban ma rassam, Allah kai amiri ma dur, kai to, Allah kai de mambara tande, kai to minata tande, kai oi oi, bernia, oi. C'est pas le parler en langue en fait. Hein? Le parler en langue, c'est une langue qu'on n'a pas apprise à l'école. C'est une langue humaine ou la langue des anges. Maintenant, il y a des gens qui parlent la langue des anges, la langue du ciel. Et c'est compliqué de savoir si tu parles la langue du ciel ou si tu parles la langue des hommes, à moins que Dieu ne te l'ait révélé. Le parler en langue est une réalité. Je me souviens, j'ai raconté cette histoire qu'à un certain moment, je parlais en langue et il y a un mot que j'aimais prononcer qu'on appelait Stovani. Stovani, c'est-à-dire qui était Stovani. Stovani. À chaque fois, c'est Stovani et j'aimais prononcer Stovani. Alors, un jour, je me suis mis à genoux. Je voulais connaître ce que Stovani veut dire. Et j'ai fait une prière. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que Stovani veut dire ?» La nuit, pendant que je dors, j'ai une vision. Dans la vision, je suis dans une grande ville déserte. Il n'y a personne dans les rues. Et je vois quelqu'un au bout de la rue, là-bas, vêtu de blanc, qui est en train de venir en face de moi, et vêtu de blanc. Il marchait, il était prêché, très prêché. Lorsqu'il est arrivé en face de moi, il m'a regardé, je l'ai regardé, j'étais étonné. Comment nous ne sommes que deux dans cette ville? Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, « Ferdinand, Stovani veut dire, il est merveilleux. » Et je lui ai demandé, waouh, comment, quel est ton nom? Et il m'a demandé, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Et il est parti. Et non, il a dit, comment, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Merveilleux est mon nom. Et il est parti. Et je me suis réveillé. Donc, pour dire que le parler en langue est une réalité, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de réel en réalité. Voyez. Mais si tous les jours, ce que tu dis en langue, c'est baba, 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 en fait, baba, baba, c'est BA que tu prononces tous les jours. T'as ton parler en langue, c'est BA. C'est BA. Supposons que tu as ton parler en langue, c'est ba 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 bo bo bo, ba 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 bo. En fait, ton parler en langue, c'est ba et bo. C'est deux syllabes, ba et la syllabe bo. Tu mélanges juste ba 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 bo bo bo, bo bo bo, ba ba ba, ba bo bo ba, ba bo bo bo, ba ba, ba ba bo bo. Donc, comment faire pour savoir que son parler en langue n'est pas authentique? Un, s'il est inintelligible. Deux, s'il est une répétition de mots. Trois, si tout le monde peut répéter ton parler en langue. Moi, quand on était baptisé dans le Saint-Esprit, au début, il y a un frère qui avait été baptisé aussi, et il parlait en langue. Au bout d'un mois, je lui ai posé la question suivante. « Mais frère, pourquoi toi, ton parler en langue, là, c'est la même chose ?» Son parler en langue, c'était quoi? Je n'ai jamais oublié ça jusqu'à aujourd'hui. C'est que je vous raconte, il y a fait près de 30 ans. C'était « Many patient, many passing. Many patient and passing. Lord Jesus Christ in the power, in the heaven. Thank you, Jesus. Many patient and many passing and passing and patient. En passing, en patient, en Jesus, en power, en thank you, en power. Je l'ai dit qu'attends. Ça, c'est pas l'anglais qu'on apprend à l'école, là, bro. Many patient, en passing, many là, c'est pas l'anglais. Bon, passing, patient, là, c'est ça qu'on ne connaît pas. Mais Lord Jesus, thank you, in the heaven, in power, in the heaven, and power, in heaven, power. Il reste que tu ajoutes in the ground. Ça pose un problème. Un jour, j'étais en train d'assister à un culte. C'était à Bankim, je crois. Et il y a une sœur qu'on appelait Élise qui parlait en langue. Et son parler en langue, c'était quoi? C'était... Alors, je me suis approché d'elle. Non, je l'ai tapoté en pleine prière. Je l'ai tapoté. Elle a ouvert les yeux. Je lui ai demandé que tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi comme ça? Et
Elle me répond que tu ne sais pas. J'ai dit que comment serait-ce si tu me livres? Elle me dit, je parle la langue. Je dis, ah d'accord, désolé, je croyais que tu as mangé le piment. Elle dit, comment ça? Je dis, je voulais te donner l'eau à boire. Je croyais que tu as mangé le piment. Après, je lui ai appris ce que c'est que le parler en langue. Je lui ai parlé en langue, c'est quelle langue ça? C'est la langue. Tu as vu quelle langue, depuis que tu es né là, quelle langue là, c'est. Les gens ne pas ça. Et puis, il faut que vous compreniez une chose. Le Saint-Esprit est un esprit doux et noble. Le baptême dans le Saint-Esprit, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pas la guerre en fait. C'est pas la guerre. Il y a les gens qui, quand ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, quand ils veulent commencer son parler en langue, c'est-à-dire écartez-vous, parce que les coups de poing vont pleuvoir, ça te prend, il y a les balles perdues qui peuvent t'atteindre. Il y a les pieds beaucoup de moi aussi guéris, les cacatos guéris. Tu as ce parler en langue. Les chaises partout, casse les chaises. Ça, c'est pas le Saint-Esprit en fait. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas biblique. L'Esprit de Dieu, il est noble. L'Esprit de Dieu, il apporte l'honneur. C'est Dieu en fait en vous. Voyez. Donc ce n'est pas. Tel fait tombe là, pam, la soeur sur ton là, pam, le va, pam. Les chaises à l'église sont cassées. Ça veut dire qu'après ton parler en langue, l'église se retrouve dans les dépenses inimaginables. Inimaginables. C'est quand on fait le bilan. Après, on parle en langue. 15 minutes de parler en langue, on a au moins une perte de 300 000 francs. Les chaises sont cassées, les tables sont cassées, les écrans de téléviseur sont cassés. Il y a des gens qu'on a amenés aux urgences à l'hôpital. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, en fait. C'est pas l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, il est doux, il est noble. Voilà, c'est un esprit de paix. Lorsque tu parles en langue, ce que tu ressens n'est pas, tu peux pas extérioriser ça, en fait. Mais ce que tu ressens en toi, c'est une béatitude. C'est-à-dire, c'est une extase qu'on n'explique pas, les paroles d'hommes ne peuvent pas expliquer cela. Donc c'est ça en fait, de parler la langue. Et j'ai dit une chose, c'est une anomalie qu'on retrouve dans l'église aujourd'hui. Tu peux arriver dans une église, le pasteur prêche, il prie en langue. Quand le pasteur commence, kunta kinte, kunta kinte, kunta kinte, kinta kunta, kinta kunta, kinta kunte, kunte kinta, kunta kinte, kunte kinta, kunte kinta, kinta kunte, kinta kunte, kunte kinta, kun 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 kun, kin 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 kin, te 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 te, kin kin kin, ta 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 ta, kun kun kun, ta 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 ta, kin kin kin, te 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 te. Et puis, et après les diacres peuvent aussi kun kun kun, kin 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 kin, te 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 te, kunta kunta, kin kin kin, te 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 te. La chorale démarre aussi sa part. Kunta kunta, kinte kinte, kun 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 kunta, kin 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 kin, te te te. Kunta kunta, akinte akinte, akunta ukunta, et puis l'église prosu, you kunta kunta, you kinte kinte, kunta kunta kinte. Donc toute l'église c'est kunta kinte. Toute l'église c'est kunta kinte. Chorale, chorale, kunta kinte. Les anciens, kunta. Non 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 non, ça c'est pas le parler en langue. Ça c'est les imitations en réalité. Le parler en langue, la Bible dit que le Saint-Esprit distribuant les langues à chacun selon qu'il voulait. Donc, tu peux appeler, tu dis kunta kinte, hein? On te laisse avec Kunta Kinte là-bas. L'autre aussi peut prendre Kawasaki. Si tu as déjà pris Kawasaki, le Saint-Esprit va donner l'autre Suzuki, Suzuki. Pendant que tu dis Kawasaki, Kawasaki, l'autre dit Suzuki, Suzuki. L'autre dit Kunta Kinte, Kunta Kinte. L'autre peut dire Honda, Honda, Honda. L'autre dit Gari Koki, Gari Koki, Gari Koki. Vous voyez. Donc, il faut cette diversité-là de parler en langue. Donc, ce n'est pas une histoire de tout le monde. Dès que le pasteur, harab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 
Moi, j'ai fait linguistique et langue africaine. C'est deux syllabes, c'est K et go. Bon, seulement qu'on peut, tu positionnes ça un peu comme la mitraillette, parfois comme la Kalachnikov, parfois comme la mitrailleuse. Kaka 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 go 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 kaka 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 go 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 kaka 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 go 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 ka go ka kaka kaka go go. Non mes amis, c'est ka et go que tu es en train de répéter. Tu nous embrouilles seulement en mettant l'autre devant, l'autre derrière, l'autre à gauche, l'autre à droite. Non non, c'est pas une langue en fait. L'Église doit devenir sérieuse. Ainsi qu'on sait la glossolalie. En réalité, c'est très important. Bon voilà, quelqu'un a dit, prophète, je veux savoir ce qui provoque le rabababababababa. C'est quoi le vrai parler en langue? Le vrai parler en langue est une langue intelligible. 1 Corinthiens 14, verset 10. Hein? De ribababababa. Ribababa. Je ne dis pas que riba, ce n'est pas un mot. Ça peut signifier quelque chose. Mais si ton parler en langue, c'est riba. Bababa. Parce qu'en fait, riba, bababara. En fait, c'est riba. Donc, on a justement les bababa. Vous savez, quand je faisais le BPC, et on a fait BPC, puis la dictée, il y avait trop d'accord en S. Accord en S, une sorte d'allitération en S. Trop de S, trop de S, trop de SS. Donc en bas, j'ai écrit S. Peut-être 50 S. J'ai mis nota bene. Monsieur le prof, s'il en manque dans ma dictée, prenez-en ici. Donc c'est un peu ça le ribababa. Donc mes amis, c'est, en fait, sont très sérieux. Dans les ribaba, c'est que les gens, certains n'attendent pas être baptisés sincèrement dans le Saint-Esprit. Ils imitent plutôt les gens. Ils imitent les gens. Et c'est pour ça que les gens commencent à dire qu'on fait le bruit dans nos églises. Et c'est la réalité, c'est la vérité. Ce sont ce genre de cacophonie, de ce genre de bruit, de bruissement cacophonique là, qui apporte la confusion dans l'église. Et les gens se moquent de nous. Moi-même, j'entre dans une église où tout le monde c'est caca, 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 caca. Mon ami, ça va te déconcentrer, tu vas ouvrir les yeux. Mais si tu arrives, les gens parlent. Mais tu es convaincu que c'est une langue. Tu entends même la langue maternelle dans laquelle tu as grandi. Quelqu'un parle ça. Et tu sais que la personne, s'il n'est pas de chez moi, ça te convainc que Dieu est vraiment présent. C'est ça la réalité en réalité, que les gens doivent comprendre. C'est que les gens ne comprennent pas ça. Mais les chrétiens, et le baptême dans le Saint-Esprit a des préacquis et des prérequis. Il y a des exigences. Tu te lèves parce que tu veux parler en langue. Il faut se sanctifier. Il faut se sanctifier. Le baptême dans le Saint-Esprit vient après la repentance et la conversion. Donc, c'est un don de Dieu pour les enfants de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas pour les païens. Donc, tu ne peux pas venir dans l'église, tu es un inconverti. Tu vis dans le péché, tu manges le péché, tu bois le péché. Ton dessert, c'est le péché. Ton apéritif, c'est le péché. Et tu viens parler en langue. Ce sont ces gens-là qui nous trouvent dans les églises aujourd'hui avec les ribababa, les rabababa, 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 rabababa. Le baptême dans le Saint-Esprit descend dans un cœur pur. Jésus-Christ a dit ceci, on ne verse pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Donc l'Esprit de Dieu ne descend pas dans un cœur sale, ne descend pas dans une vie sale. Il faut se confesser, il faut demander pardon, il faut naître de nouveau. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas droit de baptême dans le Saint-Esprit. Tu peux être baptisé d'eau, par immersion, sans être converti. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, quelqu'un peut se baptiser d'eau, par immersion, mais ce n'est pas toujours une garantie pour avoir confiance en la personne. Vous voyez, ce n'est pas une garantie, mes amis. Mais si tu parles en langue, c'est une garantie parce que c'est le témoignage du ciel, que le ciel te connaît. Ce témoignage que tu es converti, ce témoignage que tu es né de nouveau et que ton cœur a été circoncis par la parole de Jésus-Christ. Lorsque vous écoutez quelqu'un parler en langue et que c'est le vrai parler en langue baptisé véritablement par le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus rien refuser à la personne parce que Dieu lui a donné la chose qui lui est le plus chère, son esprit. Il chérit l'esprit qu'il nous donne. Donc le baptême d'eau n'est pas une grande garantie, ce n'est pas une garantie. Il y a les gens qui sont en train de parler en langue. Il y a Sylvie Akono qui est touché par l'esprit, certainement par la parole. Elle a écrit, passons par la langue. Ori baba baba baba. Oh, d'accord. Merci beaucoup de nous partager ça. Donc, vous voyez, ce qui est le plus important, ce qui prouve ta nouvelle naissance, ce qui peut faire que j'ai confiance en toi, c'est si tu parles en langue. Et je parle du vrai parler en langue. Si tu parles en langue, c'est bien. Nous avons prié dimanche passé pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je bénis Dieu.
parce que beaucoup ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous allons continuer dans cette lancée parce qu'une nouvelle Pentecôte doit être donnée à chacun de nous. Et même en direct ici, nous pouvons prier et Dieu te remplira du Saint-Esprit. Père, merci au nom souverain de Jésus pour ta grâce. Ta parole, tu as dit dans ta parole, si aussi méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Que le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit soit accordé à tous ceux qui t'en demandent maintenant. Quel que soit leur pays, leur nation, Seigneur, répands de ton esprit que ce soit une nouvelle Pentecôte, que des langues de feu se posent sur chacun au nom souverain de Jésus. Reçois le don du Saint-Esprit, reçois le don du parler en langue où que tu sois, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous savez qu'il y a des choses que vous faites. Vous êtes engagé dans une très très mauvaise vie. La voie que vous suivez est une mauvaise voie. Priez avec moi s'il vous plaît. Dites Seigneur Jésus, je demande pardon pour toutes mes iniquités. Je reconnais que je suis pécheur et que ma vie ne te plaît pas. Seigneur, je me repens aujourd'hui. Je crois en ta mort sur la croix. Je crois que ton sang a été versé pour me laver. Seigneur, lave tous mes péchés. Écris mon nom dans les livres de la vie éternelle. Je t'accepte par la foi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, je suis sauvé et je suis racheté par ta mort sur la croix. Merci Seigneur d'être venu dans ma vie. Et je prends l'engagement de te servir désormais dans la justice et la vérité. Remplis-moi de ton esprit jusqu'au débordement. Au nom souverain de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu as fait cette prière avec foi. Le Seigneur vient d'entrer en vous. Et bravo, félicitations, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Et vendredi, nous avons la nuit des flammes ici à Douala. Les habitants de Douala, je suis dans votre ville déjà. Et je m'attends à une émulsion de votre part. Ça veut dire que mobilisons nos maximums pour cette grande nuit des flammes. Et Dieu ne nous décevra point. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Pour tous mes amis sur Facebook, sur YouTube, Zoé Channel, Doulos FM, je dis que je vous aime, de l'amour du Seigneur, que le Seigneur vous affermisse, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit et vous fasse connaître les mystères de son royaume. Alors, que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, shalom.